Trouver des signes de la clé plombée. T'inquiète pas qu'on va en trouver rapidement, je pense. A priori, il ne va pas y avoir beaucoup de... Oh, c'est beau, ça, c'est quoi? C'est de la drasse, tout va bien. Ah, mais si, il y a des trolls. Des petits trolls, qu'est-ce qu'ils font là? Comme ça qu'ils protègent les ruines, les autres? Ou remarque, ils empêchent les gens d'y rentrer. Ils n'y s'y aventurent probablement pas eux-mêmes. Les clans fatans, là. Il y a du respect. Nous, on respecte rien parce qu'on est un peu des... voilà. On a le droit, quoi. On a le droit. Moi, je suis le droit. Allez, allez. Commencez pas. Il n'y a pas de piège, de toute façon. Pas de piège. Tout simplement... Là, il y a un piège, là. Tiens, tu vois. Il y a des petits carreaux, là. Bon, il y en a partout, tu me diras, mais... Ah, c'était... Qui a fait ça? C'est Eder. Bravo, Eder. Bravo à toi. Bravo à toi. Ah bah, il t'aka. Non, il tout mac. Il tout mac, il a pris cher. Bon, du coup... Je vais te dire, il y en aura peut-être d'autres. Ah, encore de la vase. Ok. La vase, ça se détruit. Il y avait encore un piège, bande de bâtards. C'est vraiment honteux. C'est honteux ce qui se passe. C'est tout? Attends, moi je continue à la porte pour l'instant, rien à foutre. Attends, mais on peut aller en bas là. Hop, 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 hop. Ouais. Ah, troll. Chut, tiens, troll. Ya! Ok. Bien vu avant. Couche-le. Voilà. Allez, finissez-le maintenant. C'est bien. Ça, c'est du bon travail d'équipe. Comme on l'aime. Sans forcer. Trois clics suffisent. À moi. Oula, c'est quoi ça? Ah, un druide corrompu. D'accord, bon, je vais aller voir là d'abord. S'il commence à y avoir des humains, c'est que on est pas mal, on est sur la bonne voie. Donc on va un peu... on va un petit peu explorer les ruines à la recherche de trésors, avant tout. Voilà, Anima. Ah ouais. Oui, oui. Oui, bah oui, arrête. Lance des sorts cette merde. Alors ça, c'est des trucs censés être... comment ? Inanimé normalement, enfin inanimé par par des âmes. Oui, donc l'un dans l'autre, c'est pas vraiment inanimé en fait. L'un dans l'autre, comment pourrait-on dire? Je ne sais pas. C'est ce que, en gros, c'est ce que veulent faire les chevaliers du Creuset là, faire une armée de trucs comme ça quoi. Quelle bonne idée. Toujours avides de conquêtes et d'or, ils étaient impitoyables et intrépides. C'est-à-dire qu'ils prennent des âmes et ils les collent dans des dans des armes. Ouh, dans des armures. Minuscule animat. Animal de compagnie. Oh, c'est rigolo ça. Donne. Assiette à soupe. Bouclier. Fais voir. Prouve-le. Bah. D'accord, il l'a mis là. On va virer le cochon. On va voir ce que ça donne ça. 8. Oh, pousse-toi. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Déviation, ok. Déviation de bouclier. Plus 4, oui, d'accord. Précision. Ah, il a pas. Et représailles, c'est quoi? Pas de malus. Personnage touchant, soit. Dégâts, d'accord, il se prend des trucs en retour. Bah, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça. Bon, ça doit pas être super joli, par contre. Voilà, c'est ridicule. Super. Toi, tu peux le prendre, par contre. Carrément, tu peux le prendre. Ça donne pas de malus. À la précision de l'arme, mais si ça donne, un malus, tu rigoles ou quoi? Je passe de 70 à 58. J'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. Ça donne dit quoi ça déjà? Toujours envie de conquêter d'or, ils étaient impitoyables, bien intrépides. Ça parle de quoi? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il n'y avait que ça ici. C'est nul. Bon, je vais aller de l'autre côté. Non, non, non. Les druides corrompus, tout ça, on va attendre un petit peu. Eh ben, vous attendez, et puis c'est tout. La zone est... Ouh, la zone est de taille moyenne, hein, elle est pas... Voilà, voilà. Ah, ça va donner quoi, ça aussi, des bouts de phrases? Comment les vertus restent-ils aux profanes et à l'anarchie? Où l'orme enfonce-t-il ses racines pour rester aux tempêtes? Nice and quiet. Je sais pas. Y'a pas un piège, là? Oh, ça ressemble au... On peut pas interagir avec. Ça ressemble à ce qu'on a vu dans la forêt, là. Un truc inondé, là, non? Un petit peu.
peu quand même. Y a pas de piège ici. C'est louche. C'est une porte, ça. Pas du tout. Chut, ça va aller. Ça va aller. En tout cas, il y a des espèces de... Ah ben, c'est le petit bonhomme qui me suit. Je crois que c'est un papillon. C'est marrant. C'est trop marrant. Ah, bah, c'est la sortie. Ouais, d'accord. C'est là où on saute, machin. Ok. Bon. On est bien content. On est bien content. Allez. Temps de combattre. Ah, il y a un petit peu de monde là d'un coup. Ouais, ouais, c'est ça. Transforme-toi, toi. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Allez. Dégage, pauvre troll. Cachez-vous. Nice and quiet. Il fait de la lumière, le troll. Étrange. Oh, va doucement, va doucement, va doucement. Va doucement. Il n'y a pas de piège. C'est très joli, hein, tous ces champignons. J'aime beaucoup, beaucoup la décoration. Nature a repris ses droits, c'est beau. Rôdeuse des marécages. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ah, ah, ah. Des sauvages étaient massés devant les... Des sauvages étaient massés devant les portes, armés de flèches, d'épées et de lances. Assoiffés de conquêtes et de pillages, leurs chefs et guerriers ne redoutaient pas la vengeance des dieux ni le courroux de leur ennemi. La mort ne les arrêtait pas. Ok. Ok, apparemment ça relate... truc. Ou pas. Pourquoi t'es qu'à 37, toi? Depuis tout à l'heure, tu mets des tartes. Si, je te vois. Tout à l'heure, tu mets des tartes et on dirait que... Ouais, on dirait que non. Ouais, je sais pas. Non, on fait rien. Tiens, t'appuies dessus. Allez, Kraken. Mon petit éder. J'ai mis mon petit éder. Ouh. Mais il y a du monde au balcon. Un petit peu. Hop. Pour d'un coup. Magnifique. Toi, tu es où? Toi, tu es caché. On sait pas pourquoi. Dégage-toi. Allez, attrapez quelqu'un. Bon, là, la concentration augmente. 51, ok. Ok, on se remonte aussi rapidement. Et alors, ça redescend hors combat, c'est ça le truc? C'est un petit peu logique. 78. Ah oui, après quoi, on retombe à 37 à chaque fois. Ah, tout s'explique. Hydromel. D'accord. Bah, écoute, si tu veux la prendre, alors que ça a traîné, on sait pas où, vas-y. Vas-y, vas-y. T'es pas venu te battre, toi. T'aurais dû être tout seul maintenant. Ah là là. D'accord. Donc, d'accord. Oh, ah oui, d'accord. Ok. Champignon. Merci. Hop. Racine d'éveillé. Hop. Oh, un trésor caché. Petit parchemin là, c'est bon ça, oh, si, c'est bon ça. Ah, les druides corrompus. Ouais, bon, ils nous ont vus, d'accord, on a compris. Allez. On a bien compris, va. On voit l'ambiance. On va les défoncer. Ils sont avec des plus gras. Ils sont avec des plus gras, d'accord. C'est bon à savoir. Oh, si, c'est très bon à savoir. C'est extrêmement bon à savoir. J'ai envie de une boule de feu. Allez, soyons fous. Ouais, on jette une petite boule de feu, on se fait plaisir. Un petit peu. Ouais, voilà. Là, c'est bien. Eder, mène-toi le fion. Eder. Mais craque. Ah, putain. Ça commence à faire les boulets. Ça commence. C'est qui ça? Ça, c'est Eder. Eder, tu bouges. Ah, l'autre, il bloque tout le monde. Dans sa boule de feu. Voilà, merci. Et il bouge. Bouge de là. Ouais, bon, hein. Je veux dire. Ça se passe plutôt bien, hein. On va pas se mentir. C'est un petit peu... C'est le B.A.B.A. J'ai envie de... Voilà, quoi. C'est le B.A.B.A. C'est... on clique, on tue. Hop, hop, hop. Parce que là, tout va bien. Les doigts dans le nez. Comme on dit... dans la cour de récré. Pardon, hein, je suis un petit peu fatigué. Ne m'en veuillez pas. Oh, c'est beau. C'est beau ça! Mais pourquoi? Pourquoi? On cherche la clé plombée, nous, en fait. Et eux. Voilà quoi.
Et il m'embête. Tiens, je vais lui faire un sort un petit peu. Ouais, faut tester un petit peu les sorts de la dame. On s'en connaît. Ça fait des projectiles qui rebondissent. Ça, c'est quoi ça? Murmure de trahison. On voit ce que ça fait. Maintenant, les outils sont aussi. Ah, c'est quoi? La lance. Ouais, d'accord. Antidouleur. Ouais, ok. Ouais, bon, en fait j'ai que le truc pour booster les alliés, en fait. Beaucoup. Par la lance, mais bon. Hein, pas trop besoin de s'en servir. De la dra. Tralala. C'est parfait. Ça me perturbe ce petit bonhomme là. Un petit peu. Je dois l'avouer. On va quand même. Parce que là c'est bizarre. Il y avait des pièges tout à l'heure. Il n'y en a plus depuis un moment là. C'est louche. C'est très très louche. Druidesse corrompue. On va la rentrer dans le fion. Allez. Allez. Allez, les gars. Elle va se prendre. Non, attends, attends. On va lui faire ça. Allez, toi, toute distance, tu le prends dans la tronche. Tac, tac, toi, que tu peux faire, toi. Tu peux faire tellement de choses. Transforme-toi, j'aime bien. J'aime bien ton apparence sauvage et bestiale. Hein. Tu me vends du rêve, hein, et j'aime ça. Tu peux même faire ça, pour attaquer encore plus vite. Allez, fais ça. Voilà, bah tu vois, c'est bien. Qui fait des mouches depuis tout à l'heure? C'est pour nous, les mouches? Ah oui, c'est les mouches, elles nous font mal. C'est un bon sort, ça. Je l'ai avec mon druide. Enfin, c'est un sort de druide. Invocation de mouche. Ah, ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Tiens, tombe. Ah merde, il est avec nous. Tiens, toi aussi tombe. Faire tomber tout le monde, parce que c'est rigolo. Toi aussi tombe. Enfin, tu vas être morte avant. C'est dommage. Dommage. Mais c'est comme ça. Faiblard, hein. Très faiblard tout ça. Extrêmement faiblard. Ah si. Facile, trop facile. Jamais Picos n'avait pu se mettre d'accord avec ses chefs. Un peuple peut-il connaître l'ordre quand le coucher du soleil apporte l'obscurité, mais jamais de cartes étoiles. D'accord. C'est beau. C'est beau, mais... Mais voilà, quoi. J'ai envie de dire, sois plus clair. Sois plus clair un petit peu dans tes paroles. Dans tes actes aussi. On est où, là? Va falloir se retaper tout le... Régal, régalade. Ah bah c'est des ruines, c'est des grosses ruines, c'est pas comme les premières du jeu. Un peuple qui délaisse le spirituel au profit du charnel ne peut pas s'élever. Ouais. Ça se discute. Enfin, il s'élève, mais après, il peut se casser la gueule, mais comme... Comme... Oula. Yes. Boule de feu, mec. Je cherche même pas à comprendre, boule de feu. On voit pas en plus. Regardez comme il est fourbe. Oh, qu'il est fourbe. Et nous, on va tuer les autres. Parce qu'on est comme ça. Kraken, il va pas y aller. Kraken, il va faire attendez. Je m'énerve un petit peu. Il va faire attendez. Je me transforme un petit peu. Et voilà. Transformation instantanée. Magnifique. Il va s'occuper des petits. Ah merde, c'est une fois par repos, ça. Bon, je ne savais pas. Je ne savais pas. Maintenant, je sais. Kraken, tu vas là. Eder. Eder, il tourne en rond. Hein, on le voit clairement. Il ne sait pas où aller. Et c'est bien triste. Hein. Il fait de la peine. Eder. Ah, je peux pas passer encore là. Mais est-ce qu'elle a des dégâts? Mais enjambé, putain, c'est des branches. Bande de boulets. Je suis obligé de me replier, voilà. Il m'attaque pas. Putain. Kraken, il dort. Parfait. Il y a un piège. Quelle esquive. Allez, Kraken. Kraken au combat. Direct, tu cherches pas. Boum. C'est des grosses quiches. C'est de la quichasse. Est-ce qu'ils arrivent à me... Ah ouais, ils arrivent à m'étourdir quand même un petit peu. Bon, un petit peu, hein, y'a pas de quoi, fanfaron. Vraiment pas. Mais il y en a comment là-bas? Kraken, mais Kraken, mais résiste à ça pourtant. Mais c'est un gros champignon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Franchement. Oh, puis on a perdu. Irabias. Ah, piège déclenché, c'est chiant. Irabias. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Mère en deuil, va me désarmer, c'est ça. Ça évitera qu'on marche dessus. Je connais un petit peu l'équipe maintenant. Voilà. On va pas être méchant, mais... Mais eux... La mère de mer, ça. Petit champignon, là, je les ai vus, ouais, ouais, ouais. Dame brûlée. Yes. Ok. Oh là là, encore de la drasse, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire comme objet avec ça, mais... Alors que je regarde quand même un de ces quatre.
Mais là, je peux pas, il y a trop d'aventures. Trop. Ah, ta, 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 ta. On a eu chaud, on a eu tellement chaud. Merde, il y a un deuxième niveau. Parfait. Il y a un deuxième niveau direct. On peut pas aller là directement. Là. Bon, bah tant pis, on y va. Enfonçons-nous dans les ruines de Kliaban Rilag. Kraken et son groupe s'enfoncèrent dans les ruines de Kliaban Rilag. C'est très bien dit. C'est beau ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça sent le... Des fantômes. Des petits fantômes qui ont passé la porte. Des pictogrammes simples mais nets sont gravés sur une colonne de cette alcôve. Des silhouettes d'hommes et de femmes aux bras levés sont gravés au sommet de la colonne. Des hommes en armure représentant la même posture ont été ciselés au bas de celle-ci. Ah ouais. On peut aller à gauche, à droite, en haut, en bas. On pourrait tellement le crocheter direct. On va pas le faire. On n'est pas comme ça. Nous, on veut de l'exploration. On veut du... Voilà, on veut du piège. Du piège à désamorcer. Prenez votre temps. Hein. Merci. Très bien. Quand tu... elle repère de loin, hein, dis donc. En même temps, elle a... Oula. Ah, ça fait mal. Pardon, c'est lui qui veut avoir mal, mais... Il a jeté des petits éclairs, on l'a vu. C'est quoi cette merde? Fantôme, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils font là? Putain, les fantômes ils font plus un pli maintenant. Hein. Ouais, on est quand même niveau 9, je crois. Donc. Je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver, je le sens. Voilà, là, j'y arrive. Chut. Ok. Oula. Sacrifice. Sacrifice humain, ennemi, deux ennemis. Oh non, deux fantômes. Bon, allez, c'est bon. Fais-moi le camp. Gamma, c'est un ringard. Ils tiennent 3 secondes quoi. Regardez, même pas. 1, 2, bon, on sait pas. 1, 2, 3. Ah! Ouais, mais là, il y a eu de triche un petit peu. Il y a eu le jeu des chaises musicales. Et ça c'est triché. Donc, le concours n'est pas validé. Les pictogrammes de cette alcôve représentent une transition qui serait. Les pictogrammes de cette alcôve représentent une procession. Oh merde! Les pictogrammes de cette alcôve représentent une procession qui se dirige vers un autel. Une silhouette est étendue sur l'autel et un membre de la procession lève une dague au-dessus de son cœur. Quelque chose jaillit du corps du mourant pour rejoindre une pierre blanche perchée au-dessus de l'autel. Ou une pierre d'Adra, quoi. Bah tiens, elle est là. Pour capturer l'âme. Pff, ok. Le temps était un voile pour les impies. Aucune bénédiction et aucune miséricorde ne sont possibles. Ça l'ambiance. Je suis sûr qu'il y a un truc à attraper, là. Ah, c'est une fabrique d'animat, d'accord, ils prennent l'âme là, pff. Après, je pourrais, ils foutent le truc quelque part, et puis puf. Ouais, d'accord. Très bien. Bon, ça c'est chiant, qui fait ça? Au bout d'un moment, les gars, bah, falloir arrêter. Donc là, je vais m'énerver. Si je vais m'énerver. Bah, non, fais pas d'éclair, ça sert à rien. T'as pas un sort, mais c'est quoi ça? Mais ça sert à rien, feu follet. Mais arrêtez, mais je... Voilà. Oh, regarde, voilà. C'est quoi ça? Je suis trop puissant en fait. Que se passe-t-il? Ça va se corser sur la suite, je pense. Ouais, toutes les. Ouais, ça va aller. Une colonne de hiéroglyphes représente des hommes et des femmes alignés qui descendent dans une mare. Les silhouettes qui émergent en dessous ont les bras tendus et affichent des expressions sereines et triomphantes. Bon, et bon, on va aller tout en haut, on va voir. Hein. Un spectre. Ah ouais, c'est peut-être plus fort qu'un fantôme ça. Ouh, il y en a partout. Ouais, j'ai déjà vu des spectres, non? Carrément. Ouais, c'est bidon. Oh là 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 là, ils sont tous bidons. Mais pouf, follet, dégage. Ça. C'est chez moi maintenant. Tu me le donnes. Dégagez. Nouveau propriétaire, c'était moi le camp. Mais. D'accord, c'était un animat, je crois que c'était un fantôme. Les animats, ils envoient des éclairs dans tous les sens, c'est un petit peu perturbant, ça fait un petit peu peur, je trouve. Un petit peu. Ouh, c'est quoi ça? Ah non, c'est d'accord, c'est Bérat. Ils ont abandonné leur corps pour faire don de leur âme et renoncer à la faiblesse de la chair et à l'affaiblissement des os. Les impies barbares ont enfin succombé. Ok, ils ont fait une armure. Un homme et une femme, gravés dans le drap brillant, versent le contenu d'un vase à leurs pieds. C'est quoi? On peut faire quoi avec ça? Ça se mange? Oh, une clé Nguitan.
Donc les Inguitans, ils faisaient des animates. Hein. En même temps, on le savait déjà. Mais là, on les voit. Bon, en même temps, on avait déjà vu aussi. Rappelez-vous, dans le port, la faveur d'Ondra, à la baie du défi, on devait chercher des pièces pour un spectre, un sceptre, décidément. Les images de cette alcôve représentent une rangée de pierres pâles entourant une armure. Quelque chose s'écoule long des pierres jusqu'à l'armure, l'imprégnant d'un halo doré. Et donc, en cherchant ces bouts de spectre, on était tombé sur des armures animées. Mais pas comme ça, elles faisaient pas d'éclair, je crois. Quatre pierres en forme d'œuf sont posées au sommet des piédestaux courts et étroits. Toutes font face à un autel situé au centre de la pièce. Tout à fait, on le voit bien, là, d'accord. Et là, ça faisait... Et animation... Et c'est la fête. Bon, on va aller là, donc. C'est ouvert, parfait. Bonjour. Ah, pièce centrale. Destruction. Oh, ils sont tout lents. Ils sont tout lents, ils sont tout morts aussi. Comme quoi. Comme quoi, bah, faut... Ouais. Vous faites pas le poids, et puis c'est tout. Vous ne faites... pas le poids. Vous êtes... naze. Hop, je déverrouille. Et bah alors, allez, c'est ouvert. Hop là, on aère tout ça. Parfait. Bien ouais, j'aime. Bon, alors qu'est-ce qu'on fout ici? C'est une bonne question, ça. Un homme et une femme gravés dans de l'adra brillant versent le contenu d'un vase à leurs pieds. D'accord, c'est comme la version miniature. Bonjour, toi. Ah, il y en a deux. Ah, il y en a trois. Ah, il y en a quatre. Il y en a cinq. Ah, c'est le truc de... Évente du rêve. Attends, je vais faire une attaque brutale là, juste pour rire. Bon. Fait tout le tour, c'est pas drôle. Attaque brutale juste pour rire. Ah, c'est pas grave, rentre-toi. Boum! Alors, tu l'as senti ou pas? Eh, ils l'ont senti, regardez, ça meurt. Tout le monde meurt à la chaîne maintenant. Kraken a mis un coup et tout le monde meurt. Eh ouais! C'est ça l'impact du héros. C'est beau. Moi je trouve ça beau. Des scènes de bataille sont représentées sur cette colonne. Une armée d'hommes vêtus de pagne et de peau fait face à une douzaine de silhouettes en armure intégrale qui les dominent menaçant. Sur les illustrations suivantes, les silhouettes en armure écrasent l'armée. Of course. À 12 contre 200, les animates y gagnent. Ouais. Et nous, on est 6. 6 ennemis. Et on les tue par paquet de 10. J'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. C'est quoi? Ça fait du bruit. Ah, des spectres. Non, des fantômes. Hé, bougez, là. Oui, un bouchon, là. Allez, on attaque. Voilà. Donc, vous avez pas envie, mais ça va plus vite si vous attaquez tous. La drap qui pousse sur le pilier central semble couler sur les marches. Des pierres lumineuses en forme d'œufs sont nichées dans la drap ondulant. C'est de la drap, cette merde. C'est fort curieux. C'est fort curieux, ça m'intrigue, je me mets en mode exploration. Exploration de l'extrême, et il n'y aura rien, ok. Puisque nous sommes là, c'est génial. Il est rigolo le petit bonhomme qui court. Je l'aime bien. Bon, il reste combien de salles? Ouais, pas beaucoup. Oula, il se passe quoi ici? Il va se passer des choses à mon avis. Ouais, il va se passer des choses. What the dieu, Animat d'Adra. Ah, c'est peut-être eux là qui défonçaient l'armée, peut-être, parce qu'ils sont un peu plus... quand même. C'est pas le même gabarit tout de suite. Ah, on fait moins les marioles là, hein. Ah ouais, ça fait moins les marioles. Attends, mets-lui une flèche ralentie 2 là. Toi, je sais pas quoi faire avec toi, non, tape-le. Problème du match, c'est que j'ai peur de pas avoir d'assez de sorts. En fait, de toute façon, je prends dans tous les jeux, que ce soit avec les potions. Remarquez, j'ai pas testé une potion depuis le début du jeu. L'avez-vous remarqué? En même temps, il n'y en a pas trop besoin. Mais... ouais, voilà, c'est mon problème. J'économise. Oh non, les sœurs, après j'en aurais pu. Regardez, je peux en lancer... Pouf, je le fais pas. Non, je vais remédier à ça. Je vais en lancer un pour vous faire plaisir. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Hop, voilà, ça servait à rien, il était déjà mort. Merci. Voyez, moi, il fait gâcher un sort. C'est pour ça que je le fais pas. Perception plus 2. Pas mal, pas mal. Je prends. Attendez, parce que qui ça peut intéresser ça? Oh non, l'amulette, je la mets à personne pour l'instant.
Je ne sais pas. Nice and quiet. C'est pas non plus la folie, hein. Plus 2, c'est bon. C'est pas mal, mais bon. On avait déjà une en plus. Pas la même, mais qui faisait pareil. Plastron raffiné, d'accord. Allez, plastron, le gros est mort, et puis les petits font 2 en plus. Voilà, c'est par exemple, c'est dommage là, juste parce qu'ils étaient là et qu'on n'avait pas vu la zone, ils attaquent pas. Ils devraient tous attaquer, je suis désolé. On attaque lui là, il devrait arriver. Eh ouais, il devrait. Non, c'est trop gentil là, sur ce coup-là. Combattant en armure de fer aussi implacable et redoutable que des milliers d'ennemis. Que des milliers d'ennemis, ouais. Cette alcôve est remplie d'images d'hommes et de femmes balançant des marteaux et chauffant du fer au-dessus d'une forge. Et nous sommes en effet dans la forge. Donc là, nous visitons toutes les pièces qui permettent de fabriquer des animates, n'est-ce pas? Ah, c'est un petit peu une sortie scolaire, hein. On apprend des choses. Enfin, pas vraiment, mais voilà. Ça fait un peu de culture, c'est bien. C'est bien. Surtout, on va chercher la clé dorée. Et la clé dorée, eh ben, on va la... Voilà. Je sais pas ce qu'on va lui faire, mais... Elle va finir dans une serrure qui ne sera pas à son goût, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, on a fait le tour, on est content. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Oh, ben, d'accord, il fallait la clé pour là aussi. Ça sent le piège. Nous sommes d'accord, sauvegarder quand même. Ouais, ça fait un petit moment quand même. Si je meurs sur un malentendu... Ah, les fantômes sont là. Non, les fantômes, ils ne mettraient pas dans des pièges, ils sont gentils. Ah bah c'est déjà fini, d'accord. Kraken et son groupe remontèrent au premier niveau de Gimlagisilat. Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce que tu as dit, Père Choukras? Tu as dit n'importe quoi? Comment t'as appelé ça? Kliaban Rilag? Oh là là, n'importe quoi. Bon, c'est pas tout ça. Là, il y a des pièges, là. Si, si, si. Non, il n'y a plus de pièges, on dit qu'il n'y a plus de pièges, on suit les esprits. Il n'y a personne. Je sens que ça va invoquer de toutes parts. Ah tiens, il y a un mec qui est en cendre. Oh, comme au début du jeu. Devant la machine. Ah, oh, il y a la même machine. Ah oh, mon dieu, maintenant je sais lire les Nguitan. Est-ce qu'ils le savent? Ça, ils le savent pas. Attends, je peux tout péter si je veux. C'est quoi ça? Chut. On peut sauter là-dedans? Non, calme-toi. Calme-toi. Allons d'abord voir ce qui se passe ici. C'est quand même important. C'était complètement un... C'était intense ce qui s'est passé. Nous sommes d'accord. On peut le fouiller? Ah non, on l'a cassé. Merde, c'est pas bien ça. Quelque chose bourdonne et vrombit dans les terres en faisant vibrer vos dents. Ça fait vibrer mes dents. On peut rien faire en fait. Si on peut casser ça, barre-toi. Ah ben non, on peut lire, il a une âme, suis-je bête. Une brume d'essence s'attarde au-dessus du corps aussi légère qu'un atome de poussière dans le sillage d'un cavalier. Oh, comment c'est beau, putain, c'est de la poésie ça. Mais alors que vous vous approchez, des instructions chuchotées résonnent dans vos oreilles, et l'anticipation vous réchauffe le sang. Vous voyez cette machine de pierre que vous avez déjà approchée, mais cette fois depuis une hauteur et un angle différents, comme à travers des yeux différents. Vous avez entendu des rumeurs selon lesquelles plusieurs de vos frères auraient été envoyés ici voilà quelques mois. Mais visiblement, personne n'est venu ici car les pavés sont recouverts d'une fine pellicule de poussière, de cendre. Vous savez d'emblée que vous allez le payer, et vous êtes prêts. Oh, le pauvre. Ils sont pas sacrifiés, hein, les membres de la clé plombée, c'est beau. Les ordres ont été clairs, les effets de la machine de Kliaban Rilag s'estompaient. Non loin de Deerford, un enfant était né avec une âme intacte. La machine devait être réactivée. Oh, c'est la clé plombée qui a fait la malédiction de Wedwen, c'est eux qui rendent les gens stériles. Pas même pas stériles, non, qui font... qui récoltent les âmes des nouveau-nés, en fait. Et ils interceptent les âmes avant qu'elles atteignent le corps du nouveau-né. C'est atroce. Vos compagnons et vous prenez position, vous échangez un dernier regard de confirmation. Ils ne connaissent pas votre nom et vous ne connaissez pas les leurs, mais vous savez qu'ensemble, vous faites l'œuvre des dieux. C'est tout ce qui importe. D'accord, faut sacrifier des vies et des âmes pour activer les machines. Ah, c'est pour ça. Mais la première qu'on a trouvée, pourtant, elle tournait. Ils l'ont activé, puis après, hop, le vieux, il est rentré dedans, là, et puis tout s'est arrêté. Bizarre. Bon, bah, le reste de la vision, bah, c'était la machine qui se met en route, et le mec qui sent son âme se faire extirper, son cœur se dissoudre, brûlant, ouvert par une lame brûlante. Enfin, des trucs pas très sympathiques, quoi. Iravias. Alors, Kraken, vous vous sentez bien? Avez-vous cédé à l'alcoolisme chez les Dirwoodans? Son sourire devient nerveux alors qu'il vous examine à la recherche de signes de blessure.
Vous êtes resté plongé dans votre rêve pendant un moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est vrai que chaque fois qu'il m'arrive un truc, mes nouveaux compagnons sont là. Ah, oh, mon Dieu! Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien, tout le monde s'inquiète pour moi. Ouais, c'est un petit peu ça. Pourtant, quand on me voit, on n'a pas envie de me faire des câlins, quoi. Enfin, si, mais... On n'a pas envie de se dire, oh putain, il a besoin d'aide, qu'est-ce qui arrive? Regardez, regardez! Oh là là, tellement de... Pff, je trouve pas les mots. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Dis-moi tout. C'est fini? Non, c'est jamais fini. C'est jamais fini parce que... Bah si, c'est fini. Bon, alors on a rempli la mission, on a vu ce qui se passait ici. Donc leur mission à eux, c'était de réactiver la machine, ils l'ont fait. Et pourquoi on peut pas l'arrêter? C'est que je ne comprends pas. Bon, nous, on va plonger là-dedans, ça paraît être une très bonne idée. Vous entendez de l'eau qui coule et vous voyez un petit ruisseau dans la montagne. Examinez le ruisseau. Au bord, l'eau est peu profonde, mais aux abords du tunnel, le fond disparaît dans l'obscurité. De là où vous êtes, il vous est impossible de déterminer la profondeur du ruisseau. Ok. Et bon, on va traverser à gué, c'est-à-dire à pied. Vous approchez lentement de l'entrée du tunnel en luttant contre le courant pour garder l'équilibre. L'eau froide vous coupe le souffle lorsqu'elle atteint votre taille. Je suis un nain, donc... Ouais, on n'est pas sûr, quoi. Mais vous vous efforcez de contrôler votre respiration. Le lit du ruisseau se dérobe soudain sous vos pieds et le courant vous emporte vers le tunnel avec une force grandissante. Retournez vers le bord, nagez. Bon, on va dans le tunnel, bah oui. Dans le tunnel, le courant vous entraîne de plus en plus vite en vous attirant vers le fond. Au-dessus de votre tête, le tunnel se resserre, ne vous laissant qu'une mince poche d'air pour respirer. Ah, ça craint. Prenez une profonde inspiration et le courant vous aspire vers le fond. Wow. Des rayons de lumière percent l'obscurité. Ah! Mais le courant est trop rapide pour que vous puissiez distinguer quoi que ce soit. Vous maintenez les mains devant vous pour vous protéger des rochers saillants qui surgissent le long des parois. Une lumière scintille devant vous. Vous vous en approchez rapidement, mais il semble que ce soit l'entrée dans le deuxième tunnel. Plus petit. Vous pourriez peut-être l'atteindre, mais vos poumons commencent à vous faire mal. Comment? Vous vous en approchez rapidement, mais il semble que ce soit l'entrée dans le deuxième tunnel plus petit. Il y a un deuxième tunnel? La lumière ou un tunnel? Bon, on va s'agripper. Agrippons-nous au bord du tunnel pour voir ce que c'est. D'accord. Vous vous agrippez au rocher qui borde le tunnel et regardez à l'intérieur. Il se termine en cul-de-sac, mais quelque chose lui parmi les rochers situés à l'extrémité opposée. Une capacité pulmonaire hors norme serait nécessaire pour tenter d'y accéder. Je suis hors norme, je suis Kraken. Nagez vers la lumière. Vous entrez dans le tunnel en battant adroitement des pieds tandis que le passage se resserre. À l'extrémité, vous découvrez un squelette avec un manche enfoncé dans les côtes. Vous tirez dessus pour le libérer en prenant appui sur le mur, ce qui vous propulse vers le tunnel principal. Ouais, constitution 16. J'ai 18. Si ce n'est 25, je ne sais plus. Après avoir tourbillonné et enchaîné les culbutes dans l'obscurité du tunnel, vous finissez par voir apparaître un halo de lumière au-dessus de vous et nager dans sa direction. Votre visage sort enfin à l'air libre. Vous inspirez profondément pour faire entrer de l'air dans vos poumons doloris, et vous rejoignez péniblement le bord du bassin. Vous vous hissez hors de l'eau et observez la caverne qui vous entoure tout en vous massant pour stimuler vos membres endoloris et engourdis par le froid. Le groupe a gagné un objet, la rose de Saltolo. Ouais, fais voir ce que c'est. Et on est... D'accord. Ah, d'accord. D'accord. Incroyable. Ah. Ah, je suis en boucle. Bon. Alors ça fait quoi? Ça c'est quoi? Une flèche. Étoile du matin à demain. Ah, tu vois? Ah, c'est bizarre. Interruption. Ah, beaucoup d'interruptions. Dégâts 21-30. Plus 25% de dégâts corrosifs. Ah. 20% de dégâts convertis en endurance. Ah, mais elle est balèze celle-là. Elle est balèze. Elle est balèze, mais c'est pas une hache. Ah, c'est bali-balo, hein? Ah, si, c'est Balibalo. Même dégâts en même temps. Ouais. Ah, bah, ils ont le même prix. Ah, j'aurais cru qu'elle coûterait plus cher l'autre. Bon, on va la garder. On va la garder pour plus tard. On ne sait jamais. Ah, bah, c'est quoi ça? T'as pas fouillé là? J'avais fouillé. Non? Ah, non. J'ai oublié ça, moi. Quel gros noob. Bah, du coup, on va pouvoir ressortir par la petite porte. Hein. Voir un petit peu. C'est où? C'est là. On va voir si on arrive à sauter. Ou si on perd quelqu'un dans le ravin. Allez, on saute. Rien à foutre. Alors, sauter de l'autre côté. Mère en deuil parvient à rejoindre l'autre côté, mais se tord une cheville. Oh, mère en deuil. Bolor.
Je croyais que t'étais une... Non, t'es pas ninja, toi. C'est carrément pas ninja, en fait. Ouais, non. Bien. Il y a 4 trucs d'un coup, là. Hein. Oh, on ira plus tard, on ira plus tard. Pour l'instant, il faut finir notre mission qui consiste à aller voir Madame Webb. J'irai bien à la forteresse. Pourquoi faire? Très bonne question. Ah, merci d'avoir posé. Je ne sais pas. Non, on va pas aller à la forteresse. On va aller... Alors, est-ce que je prends parti pour quelqu'un? Telle est la question. J'ai pas trop envie. Hein. En même temps, parmi les trois... Bon, les deux le mènent là. Non, parce que bon, c'est carrément des meurtriers, en fait. Je pensais que c'était des mecs... Ça aurait pu être des mecs sympas. Ouais, je suis un petit peu innocent, moi. Genre, oui, il va voler ça. Va casser la gueule à lui, m'insulter. Bon, ça restait correct. Les chevaliers du creuset, c'est hors de question, hein, parce qu'ils manipulent des âmes, ils font des trucs bizarres pour faire une armée d'animates, là, comme ce qu'on vient de voir d'ailleurs, dans le temple là. Les douzaines éventuellement, c'est vrai que c'est un peu des aventuriers, des mercenaires, des machins comme ça. Je vais aller les voir. 20h15, waouh! Non, en fait, je vais pas les voir. Moi, j'ai menti. Je vais aller voir Madame Webb, c'est quand même plus important, lui faire notre rapport. 12 minutes. Ah, c'était plus raisonnable.